Bonjour tout le monde. Comme je vous ai annoncé depuis hier soir, j'allais prendre la parole aujourd'hui pour m'exprimer vraiment en français à l'endroit de la communauté internationale qui collabore, qui travaille avec Madagascar et surtout pour les personnes qui ne comprennent pas le malgache. Donc, excusez-moi, mes compatriotes malgaches, parce que cette fois-ci, je m'adresse vraiment aux non-malgachophones qui vont suivre ce que je dis aujourd'hui. Concernant cette, on va dire, ce scandale, concernant ce scandale de la nationalité de notre président national, Andjematou Andjradzouil. Donc, voilà, je l'explique, j'explique la genèse, en fait. Depuis 2018, donc on avait eu vent que M. Andry Radzouil, qui est actuellement à la tête de la présidence de Madagascar, avait une double nationalité. Mais sa double nationalité, on a vérifié donc quel était le fondement de sa deuxième nationalité. Il s'avère qu'il a acquis la nationalité française en 2014, notamment le 19 novembre 2014, c'est-à-dire quand il avait déjà 40 ans. De ce fait, la loi malgache est sans équivoque et ne prête à aucune interprétation l'article 42 du Code de la nationalité malgache le dit clairement. Perd la nationalité malgache tout malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Donc, le fait pour le sieur Andry Radzouil d'avoir demandé l'acquisition, la naturalisation pour avoir la nationalité française lui a fait perdre automatiquement sa nationalité malgache. Du coup, il ne pouvait plus prétendre à aucune fonction élective à Madagascar. Que l'on soit bien clair, il est en violation de l'article 46 de la Constitution qui stipule que tout malgache, tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malagasy. Donc l'article 46 de la Constitution prévoit que aucune personne qui n'a pas la nationalité malagasy ne peut être candidat à la présidence de la République de Madagascar. En ayant perdu sa nationalité en vertu de l'article 42 du Code de nationalité, Andry Radzouil ne pouvait plus avoir sa candidature retenue en 2018. J'essaie de redire et redire les mêmes phrases, les mêmes choses, parce que je suis désolée, autrement ça ne rentrerait pas dans notre compréhension. Par contre, voilà, comment une telle chose aurait pu échapper à la diligence et à la religion de la Haute Cour constitutionnelle de 2018? Et je suis désolée, mais ces grands magistrats de la Haute Cour constitutionnelle ne peuvent pas prétendre qu'ils ne connaissaient pas la loi. Ce sont des hauts magistrats qui sont payés par le peuple pour appliquer la loi, la Constitution. Et exactement en tant que cour constitutionnelle, cour électorale également, ils doivent au minimum vérifier chaque candidature des candidats aux élections. Ils ont bien vérifié que certaines personnes n'avaient pas payé de caution, ils ont bien vérifié que telle personne n'avait pas rempli les 6 mois de résidence à Madagascar d'une façon ou d'une autre, et pourquoi ils n'ont pas vérifié comment Andry Radzouil a acquis sa nationalité, car une nationalité acquise est différente d'une nationalité
déclarer. Je l'explique. En droit français, la nationalité peut être reconnue par la naissance, par la filiation ou par l'appartenance de la personne à une ancienne colonie avant 1973. Donc, toute personne malgache qui aurait reconnu, qui a déclaré reconnaître la nationalité française et conserver la nationalité française avant 1973 sont les seuls binationaux qui peuvent être acceptés, tolérés par le code de nationalité malgache. Toute personne majeure, toutes les autres personnes majeures qui ont demandé une naturalisation auprès des instances, des autorités françaises, ne peuvent pas avoir une double nationalité car ils ont perdu d'emblée leur nationalité malgache. Donc, ce cas s'applique à notre président actuel qui n'a plus aucun droit d'être le président de Madagascar parce qu'il n'a pas la qualité de nationalité malgache. Il n'est plus un ressortissant malgache. Il est peut-être malgache de sang, mais il n'est plus malgache et donc il n'a plus ses droits civils et politiques malgaches. Donc voilà, c'est un fait, c'est une loi. Et comme je le dis tout le temps, dura lex, sed lex, la loi est dure. Mais c'est la loi, donc là j'avise toutes les autorités internationales, tous les pays qui travaillent avec Madagascar, les institutions de financement international que vous avez signé avec une personne qui n'a pas la qualité et qui a été élue illégalement à la présidence de Madagascar. Les faits sont graves et nous n'allons pas rester là parce que ce qui s'est passé, c'est de la forfaiture, c'est de la haute trahison, c'est un acte d'espionnage et c'est également un acte attentatoire à la Constitution. C'est un attentat contre la Constitution malgache. Et toutes ces choses que j'ai énumérées sont passibles de réclusion criminelle et sont des crimes contre la sûreté de l'État. Donc je suis là pour vous aviser qu'est-ce qui se passe à Madagascar et pour vous aviser à partir de cette date, mercredi 14 juin, que nous, les Malgaches, que l'on soit à l'étranger ou à Madagascar, nous allons faire appliquer la loi. Nous allons faire appliquer la loi et revendiquer l'application de la loi. Nous sommes un état de droit, nous sommes un état qui a une constitution. Nous avons ratifié toutes les conventions internationales concernant les pactes internationaux de droits civils et politiques et nous avons ratifié également tous les traités internationaux qui peuvent régir les nations. Donc nous vous disons que toutes les personnes et toutes les institutions qui passent encore outre, je dis bien, qui passe outre à l'application de cette disposition du code de nationalité et de la constitution malgache sont passibles de complicité envers l'atteinte à la sûreté de notre État malgache. Donc voilà, vous êtes avisés. Actuellement, nous allons faire toutes les démarches possibles et nécessaires, juridiques, nationales, internationales, pour faire en sorte que Madagascar soit un état de droit, que Madagascar retrouve ce chemin vers le droit et on refuse, comme je le dis, on refuse que Madagascar soit dirigé par une personne qui n'a même pas la nationalité malgache car c'est illégal, c'est interdit par la loi, c'est une violation flagrante de la Constitution. Donc voilà. À partir de cette date où nous avons toutes les preuves de l'acquisition de la nationalité de Andra Duil, il ne peut plus exercer en tant que président. Il est démissionnaire d'office et tous les actes qu'il a fait, toutes les signatures qu'il a effectuées depuis 2000,
19 janvier 2019 à ce jour, sont nuls et de nullité absolue. Et donc, vous êtes avisé, s'il a signé une dette pour Madagascar, vous êtes avisé, ces signatures sont nulles. On va voir comment on va procéder. Mais ce qui est sûr qu'à partir de ce moment, il n'y aura plus un seul acte qui doit être valable. Et ce n'est pas que vous n'avez pas été averti. Vous êtes maintenant averti. Et nous n'allons pas rester comme ça de même ordre parce que ce qui se passe, je ne sais pas dans d'autres pays, mais en tout cas, ce qui se passe ne s'est jamais produit dans aucun autre pays du monde. Et il y a eu négligence, imprudence et inobservation de la Constitution par les membres de la Haute Cour constitutionnelle dirigée par le président Jean-Éric Racoutoirsou. Donc actuellement, je demande à l'armée malgache qui est dirigée notamment par le président de la République, qu'ils ne sont plus sous l'ordre du président de la République de Madagascar, qu'ils sachent cette disposition de la loi. Ce n'est pas moi en tant que Fanny Suernef qui le dit, c'est la loi qui le dit. Vous ne pouvez pas être sous les ordres d'une personne étrangère. Donc, les hauts dignitaires de l'armée qui ne respectent pas cette loi, ils savent très bien ce que la loi et ce le code pénal, je suis désolée, le code pénal qui est devant moi, le code pénal malgache, aussi petit que soit ce livre, ben, il regroupe toutes les peines et toutes les dispositions légales que nous pouvons appliquer. Donc voilà, vous dites que je ne connaissais pas la loi, les Malgaches peuvent ne pas connaître la loi, mais les hauts dignitaires de la Haute Cour constitutionnelle ne sont pas excusables. Ils ne peuvent pas ignorer la loi et s'ils ont fait une négligence au niveau de la vérification de l'acquisition de la nationalité d'un seul des candidats à la présidentielle en 2018, ils sont pénalement responsables de leurs actes. Ils sont pénalement responsables de leurs actes et tous les actes que le président de la République depuis 19 janvier 2019 jusqu'à ce jour sont nuls et de nul effet. Les seules personnes et institutions qui peuvent encore rester dans la sphère étatique du pouvoir sont les députés élus et les sénateurs élus, les maires élus qui n'ont pas une double nationalité acquise. Car la nationalité acquise ne permet pas à un malgache de conserver sa nationalité. Donc les seules doubles nationalités qui sont valables sont les nationalités déclarées par filiation. Ceux qui ont eu des parents de nationalité autre que malgache, ceux qui l'ont demandé à leur majorité, ne peuvent conserver la nationalité malgache. Du coup, je suis désolée, tant que cette loi existe, personne n'a une double nationalité acquise après sa majorité. Donc voilà, le président malgache actuel est un usurpateur, il connaît très bien cette loi. Parce que moi-même, je vis en France, je suis réfugiée, on m'a proposé j'ai le droit en tant que réfugié de demander la nationalité française. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je connaissais cette disposition de l'article 42 du code de nationalité malgache qui dit que je perdrai ma nationalité malgache à partir du moment où je demanderai j'obtiendrai une nationalité étrangère. Et donc, à partir de ce moment, pourquoi moi je vais respecter la loi et les autres malgaches, ils ne vont pas respecter la loi. Cela est inadmissible, je suis désolée. Et les personnes responsables de cet acte de trahison envers
la constitution envers l'État malgache et envers le pays de Madagascar, ils sont responsables pénalement et ils perdent leurs droits civils et politiques. Je suis désolée, mais c'est la loi. Duralex, Sedlex, Nemo sans étude, ignorare legge, veut dire nul n'est censé ignorer la loi. Et la loi, aussi dure soit-elle, c'est la loi. Même si cette loi n'est pas appliquée et que des personnes ont encore des cartes d'identité, des passeports, alors qu'ils ont acquis la nationalité après leur majorité, en ce qui concerne le président de la République malgache, il n'est pas censé ignorer cette loi. Il était président de la transition pendant 5 ans et il a été à la tête du pays pendant 5 ans. Il a eu sa nationalité le 19 novembre 2014. Il ne l'a pas eu grâce à ses parents, son père, sa mère ou ses grands-parents. Il l'a demandé. Il l'a demandé en 2014 à Madagascar. Donc à partir du moment où il a demandé, il ne peut plus avoir la nationalité malgache qui est tombée. Il n'a plus de nationalité malgache. Il n'est pas binational. Il est uniquement française. Je ne suis pas contre la France, je ne suis pas contre les Français, mais la loi internationale et les lois internationaux ne permettent pas une personne de nationalité étrangère à postuler, à candidater pour présider, pour diriger un pays s'il n'a pas la nationalité de ce pays. Donc, je suis désolée, c'est une loi qui est valable pour tout le monde, autant les Malgaches que les autres. Et actuellement, la binationalité de Andry Rajoelina n'existe pas. Il n'est pas binational. Il n'est pas binational. Il est uniquement français. Et il n'a plus sa nationalité malgache à partir de 2014. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous allons continuer ce scandale à la présidence, ce scandale à la nationalité, ce scandale à l'usurpation de nationalité malgache à la présidence de la République de Madagascar. Et nous n'allons pas en rester là. Vous allez voir la suite et la suite, c'est bientôt. Je vous dis au revoir et à très vite.